Salut à toutes et à tous, c'est HBN, comment vous allez? Moi perso ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un petit Call of, un petit Black Ops 1. Donc vidéo un peu particulière, comme vous avez vu c'est pour CodeZF, donc je vais essayer de leur envoyer. J'espère qu'ils vont aimer, apprécier, voilà, l'uploader. C'est une petite vidéo courte parce que on voit beaucoup de Call of Duty, Black Ops 2 et autres. On a vu du MW3, mais on a moins vu du Black Ops 1 depuis un petit moment, moi je trouve. Donc voilà, c'était juste pour mettre un peu au goût du jour. Un peu old school, voilà, c'est cadeau, c'est voilà, gratuit, allez. Voilà, donc CodeZF, si vous connaissez pas, c'est une chaîne francophone qui est... Ouais, francophone et pas francophobe, j'ai déjà dit cette connerie une fois. Voilà, francophone, que j'apprécie pas mal vu qu'il montre déjà des speedarts que j'essaye de reproduire. Hein. Ouais, j'adore Photoshop et autres, c'est mes éléments, c'est ce que je veux faire plus tard. Donc, je reproduis plein de choses, voilà, donc déjà j'aime bien. Après, il montre du Call of, et même pas que du Call of, des trucs diversifiés, comme même le Call of Paintball qu'ils avaient mis, il y avait vraiment pas mal de temps, j'avais bien aimé ça. Donc c'est une chaîne pas mal, allez voir. Je vous incite à aller liker leurs vidéos, vous abonner. C'est vraiment une chaîne moi que j'apprécie pas mal. Donc je voulais lancer un petit débat aussi, voilà, sur le fait que voilà, maintenant que Black Ops 2 est sorti, qu'il y a eu Noël et tout, je voulais savoir, sans que mes écouteurs tombent par terre et que j'entende plus la vidéo, mais c'est pas grave, voilà. Donc j'aimerais savoir ce que vous pensez de la communauté depuis que Noël est arrivé, voilà, c'est ce que j'aimerais savoir, vos petites impressions. Si la communauté a évolué, régressé, bon, de toute façon, vous pouvez pas trop régresser. Hein. Voilà, surtout sur MW3 pour moi, le jeu qui m'a fait rager plutôt pas mal de fois. Donc, me dire, voilà, dans les commentaires, si vous avez aimé, enfin, si vous trouvez que la communauté a changé. Donc, moi, mon point de vue perso sur Black Ops, ça a amené du monde, ça fait du bien. Bon, tout à l'heure, j'ai fait un peu des R&D. J'ai voulu me remettre au goût du jour sur R&D vu que ça fait longtemps que j'avais pas fait. Et enchaîner dans une partie que je vais sûrement mettre sur YouTube, des doubles meurtres, des triples meurtres et autres. Alors que ça campe, voilà, ça m'avait foutu un peu. C'était un petit peu chiant, hein, je vais pas m'en plaindre vu que j'ai fait pas mal de kills sur celle-là, mais après il y en a certains. Des bons campeurs. Ça sent bon avec des armes de noob en plus. Bref, voilà. Bon, sur Black Ops, ça amène du monde. Moi, ça ne peut que me faire plaisir hein, sur Black Ops 1. Donc voilà, moi personnellement, je suis très happy. Bon, un peu défavorable sur le fait que ça apporte des gens un peu chiants des fois. Mais sinon, en général, c'est pas mal. Sur MW3, on part de tout en bas, donc on peut que monter. Hein, c'est bien ce que je pense. Donc moi, je trouve que la communauté a quand même pas mal évolué depuis. Donc je peux pas vous dire si ça a vraiment ramené des gens ou pas. Et merde, je croyais que c'était le gameplay à 30-0 et en fait je viens de me rendre compte que c'est celui à 41-0. 41-1, bon c'est pas grave. Putain, j'ai niqué l'intrigue. Putain, oh, fait chier. Donc voilà, sur MW3, ça... Les gens sont devenus mieux, plus... Bon, il y a beaucoup de rageux, quelques campus des fois par-ci par-là. Là, il y a un petit montage vu qu'il y a une migration d'autres. Donc... ça, pour moi, je suis plutôt bueno. Après Black Ops 2, personnellement, j'ai vu beaucoup de campeurs. Voilà, donc Noël est passé par là, ça se voit. C'était gratuit là aussi. Donc c'est un peu dommage, mais j'ai pas craché sur le jeu. Il est bien, bon. Même si je regrette un peu le fait que il faut beaucoup de balles pour tuer un ennemi. Mais ça, c'est complètement autre chose. Putain, j'ai niqué toute l'intrigue là. Oh, fait chier quoi. Oh merde, j'ai niqué l'intrigue de la prochaine vidéo. Oh putain, oh fait chier. Bon, c'est pas grave, voilà. Donc je débloque mon deuxième SR. Ça va bientôt être la fin de la vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Hein. Petite parenthèse. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez aimé. Parlez du petit débat que j'ai lancé, voilà. Je vous demande que ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à CodeQG si elle est uploadée. Donc je fais du 41-1. Salut les gens, portez-vous bien. Et à la prochaine.